Machine, c'est un moyen de transport que nous plus utiliser dans le pays d'Haïti, dans le moment que nous parlons là. Et est-ce que vous connaissez depuis qui année que machine est déjà dans le pays d'Haïti et sous qui président que machine est rentrée dans la cour pays d'Haïti? Eh bien, c'est ça que fait dans la vidéo ça. On va vous plus de détails pour vous sous question ça. Côté que moi je vais parler de tout ça pas connaît sous question apparition automobile dans le pays d'Haïti. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, ça n'a pas de pour suivre la page là. Si vous pouvez faire ça, c'est la seule façon que vous êtes capable de connecter avec toute information qui est vraiment utile ou que n'a pas pour vous. Journée jeudi, concessionnaire direct en Haïti, il y a au nombre de 12. Et concessionnaire direct là qui s'allie, c'est entreprise qui gagne droit exclusif pour représenter une marque, un produit. Et concessionnaire direct, il achète produit directement de fabricant. Yo reconnaître légalement et yo bay garantie après-vente. Comme concessionnaire direct que nous gagnons en Haïti, Mazda, gagne Inauto SA, Berman Motors, European Motors, Safari Motors, Sonoto, Automeca, Autoplaza, et bien tout ça, c'est concessionnaire direct que yo y est. Et gagne également concessionnaire indirect là. Et concessionnaire indirect yo même, yo reconnaître comme étant une entreprise qui achète machines usées. Juste pour être capable de revendre. Ils reconnaissent légalement par la loi. Mais ils n'ont pas aucune garantie formelle sur la qualité que ils vendent. Ces formes qui sont plus communes dans le pays et les particulièrement connues sous thème anglais auto-deal. Et à cause de conditions économiques pays, concessionnaires indirects ont occupé 75% du marché. Ce qui fait que ils occupent plus grande partie. Et yo éparpillé tout partout dans le pays, nous sommes capables de prendre exemple Evis, Secom, etc. Pays qui exporte plus de machines dans le pays d'Haïti, c'est le pays des États-Unis, le Canada et puis pays la France. Pays qui gagne plus de machines, c'est le pays des États-Unis qui gagne environ 2500 machines. Automobile est arrivé dans la cour pays d'Haïti en 1908 sous présidence Antoine Simon et une quantité qui était évaluée à 3. Sans doute de fabrication américaine. Et nous sommes capables d'imaginer qui qualité étonnement, qui qualité contentement qui était manifesté la caille habitant, le que vous avez découvert une nouvelle technologie, ça, les que machine machines fait apparition dans le pays d'Haïti. Les machines qui sont rentrées dans le pays d'Haïti, pas de aucun réseau routier qui était fonctionné normalement. Question route asphaltée, presque pas de ça du tout. C'est avec occupation blanc américain de 1915 à 1934 que question réseau routier a commencé à développer dans le pays d'Haïti. Mode de transport révolutionnaire ça a commencé à propager des corps urbains haïtiens jusque-là qui étaient habitués à Bougie, Carrosse, une sorte de petite machine qui a un moteur par derrière, c'est ça qui est le Bougie. Et durant l'année 20, le premier véhicule dans le monde est fabriqué sur une grande échelle. Tout de suite après diverses autres marques automobiles essentiellement américaines, tu as pu le représenter sur le marché haïtien. L'État haïtien était le premier qui a acheté automobile dans le commencement des années 30. Palais national a fait acquisition d'une flotte somptueuse pour le cortège président Stenio Vincent. Véhicule ça a pu le retenir dans le palais national au service du prochain président qui est Élie Lescot. Dans ce qui a rapport avec la percée graduelle européenne, américain a dominé le marché avec Ford, Chevrolet, Dodge, Packard et Latrier. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie européenne automobile, à l'exception de l'Allemagne qui est arrivée divisée, a pu effectuer une percée sur le marché haïtien. Américain, c'était le premier qui était voué belle décapotable depuis période avant-guerre. Capitale là qui c'est Port-au-Prince, qui était gagné à l'époque 350 000 habitants, pas tellement gagné route asphaltée. Et général Paul-Eugène Magloire, de 1950 à 1956, c'est qu'on fait belle tournée dans la capitale là sous belle Cadillac que l'été gagné dans l'époque là. Et dans l'époque ça, Port-au-Prince pas tellement surpeuplé et l'été moins anarchique. Dans le commencement des années 60, Haïti a découvert un nouveau modèle européen qui te fait partie de flotte présidentielle Papa Doc. En 1965, tu as gagné visite d'un empereur qui c'est un empereur éthiopien qui te porté nom Haïlé Selassie. Empereur ça, c'était un grand chef qui était arrivé visiter Duvalier. Et lorsque l'État a pris pour rentrer dans le pays, Duvalier a commandé en pile
Mercedes qui te gagne dans la ville là, juste pour te capable faire un défilé dans l'idée pour capable aller dans le palais national avec l'empereur ça. C'était tout le détail ça que nous t'ai porté pour sous question apparition automobile dans le pays d'Haïti. N'a pas croisé dans une autre vidéo. À la prochaine.